acclamation de joie. A clapping of joy. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. La parole de Dieu sera lue dans Luc chapitre 11, versets 21 à 29. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Ce passage, this passage nous révèle beaucoup de choses. Many things. Dans le dessein de Dieu, in God's purposes, le croyant doit payer le prix. The believer must pay the price pour expérimenter une délivrance authentique. To experience an authentic deliverance. Quand le Seigneur a délivré les enfants d'Israël, when the Lord delivered the children of Israel, il leur a dit, je vous amène dans un pays, he said, I'm sending you to a country où coule le lait et le miel, where you have milk and honey. J'arrache le pays I took the country, aux nations qui y habitent, from the nation that were inhabited, parce qu'ils vivent dans les abominations. Because they lived in abomination. Ils pêchent contre moi. They sinned against me. Et je vous donne ce pays. And I'm giving you that country. Pour que vous puissiez le posséder. For you to possess it. Quand vous allez arriver, when you arrive there, détruisez tous les ennemis. Destroy all the enemies. N'ayez pas d'alliance avec eux. Don't have any covenant with them. Si vous avez des alliances avec eux, if you have any covenant with them, ils seront des épines à vos côtés. They will be like thorns into your back. Ils seront pour vous des occasions de chute. They will be for you the occasion of fall. Et je vous maudirai. And I will curse you. Et le pays va vous vomir. And the country will vomit. Et vous allez perdre la possession. And you lose the possession. Frère, que personne ne vous séduise. Brother, you know I seduce you. Quelqu'un peut vivre dans la profession de foi, les danses, tout ça, possédé. Somebody can live in faith, pendant des années, possess for years. Mais tu vas réaliser que tu ne deviens pas ce que Dieu t'avait annoncé. But you realize you do not become what God announced to you. Parce que quand tu donnes la vie à Jésus, because when you give your life to Jesus, tu as une vision de ta destinée. Tu as une vision de ta destinée. You have a vision of your destiny. Tu as une intuition de ce que tu peux devenir en Christ. You have an intuition of what you can become in Christ. Il y a même des moments où Dieu rend ça plus clair avec des visions et des prophéties. That's a moment where God makes it clearer with visions and prophecies. Mais tu seras surpris. But you'll be surprised que chaque année, that each year, tu fêtes un anniversaire. You celebrate a birthday. Mais les choses demeurent sans changement. But things remain unchanged. Tous les démons sont dans le lac de feu. Ne acceptez pas ça. Somebody can tell you Jesus died. All demons are in the fire. Don't accept that. Quand quelqu'un meurt, when someone dies, s'il a marché avec Dieu, if he walked with God, il va au paradis. He goes to heaven. Le même jour. The same day. S'il n'a pas marché avec Dieu, if he did not walk with God, si c'est un païen, you are a pagan.
Il va dans le séjour des morts. He goes to Hades. Il y a le châtiment là-bas, mais ce n'est pas encore le lac de feu et de soufre. Chastisement over there, but it's not yet the lake of fire. Donc les esprits des morts sont dans le séjour des morts, les morts sans Dieu, sans Christ. So the spirit of death live in Hades, the spirit of people who have no God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Si les morts sont adorés, if the dead people are worshipped, les esprits montent et viennent chez ceux qui les adorent. The spirit rose up and come and visit those who worship them. Et ils les possèdent. Then they possess them. Et tu ne peux rien devenir. And you cannot become someone. La sœur Antoinette nous a rendu son témoignage. Sister Antoinette gave us a testimony. Le Seigneur a ouvert sa porte. Elle ne dormait pas. On priait à Williamsville. The Lord opened a church. She was not sleeping. Un homme est sorti. Then another man came out. Il dit qu'il était nu, les yeux rouges, avec une calvitie. Il était chauve, il n'avait même pas de cheveux. She said he was naked. Un homme de 80 ans noir est sorti d'elle. With a beard, a man of 80 years old came out of her. Elle a eu cette délivrance un dimanche. She had this deliverance one Sunday. Elle a pris les essences de parfum. She takes some essence of perfume. Elle est sortie lundi. Elle a fait une recette de 28 000. She went out on Monday and she made a sale of 28,000. Elle n'avait jamais réussi, jamais. Moi-même, je la suivais. Le commerce, rien ne marchait. She has never succeeded. Even a trade, nothing goes well. I even know her. Quand cet esprit est sorti, when that spirit came out, ça veut dire un esprit humain qui l'avait incarné, sorti. That a human spirit that incarnated her elle came out. De 1500 à 28,000. From 1,500, she had 28,000 francs. Je la voyais, elle était heureuse, elle brillait. She was happy. Un jour, elle m'appelle. One day she called me. Elle dit, pasteur. She said, pasteur. Je ne t'ai pas encore rendu mon témoignage. I've not testified to you yet. Tu vois que je prospère là. You see that I'm prospering. Il faut que je te rende mon témoignage. How to give you my testimony? C'est là qu'elle est venue me dire que tout a été débloqué quand cet esprit humain est sorti d'elle. It's in that moment that she came and told me that everything was debloqued when a human spirit came out of her. Est-ce qu'elle est là? Is she present? Et retenez ces choses-là très bien. And bear these things in mind very well. Les enfants d'Israël, c'était des enfants de Dieu. The children of Israel were children of God. Mais il y a eu une période où ils mangeaient leurs enfants. But there was a period where they were eating their own children. La misère. Misery. Comment un enfant de Dieu peut-il manger son enfant parce qu'il a faim? How can a child of God eat his own child because he's hungry? Ils ont péché. They sinned. Les démons sont revenus. The demons came back. Que personne ne vous trompe. Should no one seduce you? Nous devons vivre dans la sanctification. You need to live in sanctification. Quand tu es tenté, when you are tempted, il faut résister. Resist. Si tu tombes, if you fall, si c'est le mensonge, if it is lie, c'est ce démon-là qui va venir. It is that demon that will come. Si c'est le vol, if it is theft, c'est ce démon qui va venir. It is that demon that will come. Et quand il vient, and when he comes, ce n'est pas pour partir, parce qu'ils n'ont pas de repos. Ils veulent vivre dans les individus. It's not to go, because they have no rest. They want to live in human beings. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Est-ce que nous sommes ensemble? Dites-lui. Are you together? Say yes. Lis pour nous un roi. First King, chapitre 22, chapter 22, verset 22 à 23. From verse 22 to 23. Je sortirai, répond-il,
Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Ici, here, Dieu avait rassemblé son armée. God gathered his army. Et il cherchait comment faire pour que Achab meure au front. It was à la guerre. How Achab can die at the battlefield front. Dieu était avec ses armées. God was with his army. Un esprit, a spirit, de mensonge est venu se présenter. A lying spirit came. Il dit à Dieu, he told God, moi je peux faire ce que tu cherches là. I could do what you are looking for. Dieu lui demande comment tu vas procéder. God asked him, how are you going to proceed? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. He said, I'm going to be a lying spirit in the mouth of his prophets. Dieu lui a dit, va, tu vas réussir. God told him, go, you will succeed. Pourquoi il envoie l'esprit de mensonge vient-il se présenter? Why did the spirit, the lying spirit, come to present itself? Parce que les faux prophètes sont des menteurs. Because false prophets are liars. Donc ils sont sous l'autorité du prince des mensonges. So they are under the authority of the prince of lying. Si le diable veut les avoir, if the God, sorry, the devil, le démon qui peut les terrasser, c'est le démon de mensonge. The demon that can overthrow them is the demon of lying. C'est pour cette raison qu'on dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. This is the reason why it says each one is bound to the one who has overcome him. Tu peux sortir de ta maison sans principauté dans ta vie. You can come out of your house without any principality in your life. Et arriver quelque part dans la journée, and you run somewhere in the day, tu ouvres la porte en tombant volontairement dans un péché et les principautés reviennent. You open the door by falling to sin willingly and principalities come back. Certaines personnes se demandent, est-ce qu'on va toujours passer le temps à les renverser? Some people ask themselves, are you going to spend the time overthrowing principalities? Soyons sages. Let us be wise. Vous verrez que si tu trouves une assemblée d'enfants de Dieu, you can find that if you find an house of assemblies of si children tu of God, demandes qui n'est jamais tombé dans un péché depuis qu'il a cru, and you ask who has never fallen into a sin since he has believed, il n'y aura aucun doigt. You see no finger. Ça veut dire que chacun a d'une manière ou d'une autre ouvert une porte un jour. It means that each one of us has opened a door in one day. Et ça veut dire aussi que beaucoup n'ont même pas encore réussi à la refermer. It also means that many have not succeeded. Ils se battent. They fight. Quand tu te bats là, when you are fighting, est-ce qu'on doit te tuer? Should we kill you? Non. No. On doit te délivrer. We have to deliver you. Tu as prévu ça. God planned all this. Et il a dit, and he said, certains démons, some demons, nous allons le voir, ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Can come out that only by fasting and praying. Donc un jeûne comme celui-ci a sa place pour nos délivrances. So a fasting like this one has its place to deliver us. Là, il faut profiter. That you need to take. Si tu as ouvert une porte, God has if you have opened a door. Pendant qu'il y a des prières et le jeûne, tu profites. While your prayers and fasting, take profit, take benefit from that. Pour t'échapper. To escape. Parce que quand ça va finir, tu vas rester seul. Tu vas encore continuer à te débrouiller, à te débrouiller, à te débrouiller. Because when you finish, you remain alone and you try to fight on your quand own. Quand le démon sort d'un homme. When a demon comes out of a man. D'abord, ils ne veulent pas sortir. Vous voyez ici, vous voyez vous-même. Ils ne veulent pas sortir. Ce n'est pas facile pour eux. First, ils n'ont pas de repos. First, they don't want to go. They don't have any rest, so they don't have want to go. Donc, ils tournent, ils tournent. So, it turns. Après, ils se disent, after that, they tell themselves, allons voir si on peut retourner dans notre maison.
Let us go and see if we can go back. Le démon t'appelle sa maison. The demon calls his house. Quand il va, when he go, il revient. He comes back. Il vérifie si c'est vide. He check if it is empty. Parce que quand les démons sont là, because when the demon comes out, la maison est occupée et elle est sale. The house is busy. Le Seigneur dit que quand il revient, s'il trouve la maison balayée et ornée, the Lord said that if he come back and find the house clean and ornated, il dit, he says, je ne veux pas le provoquer. I cannot provoke him. Il risque de me juger. Je vais appeler d'abord mes frères pour qu'on vienne habiter. I'm going to call my brethren. They should come and you go and dwell in it. Et il s'en va chercher sept autres. And he's going to find seven more. Plus méchants que lui. More wicked than him. Seulement que c'est lui le chef. C'est comme c'est sa maison. Il dit, c'est moi le chef. Hein, c'est ma maison. Donc venez m'aider parce que je ne veux plus le perdre. See, this house is the chief, so you're going to look for that. Come and help me, because I don't want to lose him anymore. Il était seul. He was alone. Il amène sept. He has brought seven. Ça fait huit. Then the whole become eight. Jésus dit que quoi? What did Jesus say? Ta condition devient pire que la première. Your condition becomes worse than the first one. Beaucoup d'entre vous. Many of them. Sont allés dans certains endroits pour prier, pour chercher leur délivrance. Went to some places to pray, to seek deliverance. Malheureusement pour vous, unfortunately for them, dès que vous êtes arrivé, as soon as you arrive, on vous a demandé une offrande, vous avez donné. We asked you an offering, you gave. Et on a commencé à vous délivrer. They started deliver you. C'est ça que le diable aime même. Is what the devil loves. Il n'y a même pas de protection. On commence à te délivrer seulement. There is not even protection, and they start delivering you. Quand c'est comme ça, les démons appellent les autres que mais il y a une menace. Venez vite. What is so demon call others come? There's a threat. Et il y a beaucoup de témoignages qui montrent que la situation de certaines personnes s'est empirée. Quand ils ont commencé à rechercher les prières, and there are many situations that show that the situation of those people become worse when they start looking for deliverance. Qu'est-ce que nous faisons? What are we doing? Quand quelqu'un vient, when someone comes, qu'il veut la délivrance, that he wants to be delivered, nous l'aidons, you help him, à se réconcilier authentiquement avec Jésus de Nazareth. To authentically reconcile with the Lord Jesus. À faire la vraie repentance. To go through genuine repentance. À faire des restitutions. To carry out restitution. À faire même la guérison intérieure. To even go through inner healing. Après, nous-mêmes nous provoquons les démons en faisant le brisement des liens. On n'attend pas qu'ils se manifestent un jour. You are saying you provoke the demons. By delivering through the breaking of your ties. Et on se contrôle. And you control. Si tu nous dis qu'après la prière, il y a eu une petite menace, on reprend. If you tell us after the prayer there was a small threat, we take it again. Si il y a une résistance, on reprend. If there is resistance, we take it again. Vous savez, Jésus a prié pour quelqu'un. You know, Jesus prayed for someone. Il ne voyait pas. Il connaissait. Après la prière, Jésus demande si ça allait. Il dit à Jésus que il voit les hommes comme les arbres. After the prayer, Jesus asked me, "Is he well?" He said, "He can see men as trees." Et Jésus a appliqué à nouveau. And Jesus replied. Il a regardé fixement et dit à Jésus, "C'est fini, je suis guéri." And he looked at Jesus fixedly and said, "It's finished, I'm healed." Ça nous enseigne. This teaches us. On peut prier pour toi même six fois, sept fois. Et ce que tu dois rechercher, c'est la victoire. They can pray for you even for six times, seven times. What you have to look for is victory. Et toi, ministre, you minister, ou pasteur, ou faisant des disciples, disciple maker, tu n'es rien. You are nothing. Tu n'es rien. You are nothing. Si quelqu'un te dit. If someone tells you, quand tu as prié, je sens encore. Prie encore. Ne fais pas comme si tu es fort. Tu dis non, c'est bon comme ça. If you pray for me, I feel again. Don't behave as if you are strong. Pray again. Ne fais pas comme si
La personne te critique que tu n'as pas pu bien prier. Don't make as if the person is criticizing you, like you have not prayed well. La personne te dit ce qu'elle ressent. The person is telling you what he feels. Humilie-toi devant Jésus. Humble yourself before Jesus. Révèle-nous le secret. Oh Lord, reveal us the secrets. Si, if quelqu'un tombe, someone falls, et les démons reviennent, and demons come back, c'est la même la repentance d'abord. It is the same for repentance first. Et la délivrance. And deliverance. La victoire sera toute. Les victoires seront durables et définitives. Victory will be stable and definitive. Dis-nous comment Jésus t'a délivré de la pauvreté. Je me nomme Nguessa Antoinette. Mon faisant disciple, c'est Maman Colette Meunier. Amen. Et je souffrais de ce démon de pauvreté. J'étais très pauvre. J'essayais beaucoup d'activités, mais rien ne marchait. Beaucoup d'activités, mais rien. J'ai essayé tout, rien. Et je vivais avec un homme qu'on avait eu des enfants. Et il est parti. Il m'a laissé avec 4 enfants. Et je ne savais pas. Je ne pouvais plus continuer à payer la maison dans laquelle on se trouvait. Et je suis allé habiter à Kumasi Campement, dans un quartier précaire. Et là-bas, c'était encore pire. Une maison de 15 000, je n'arrivais pas à payer. Et arrivé à un moment donné, on nous avait chassés de la maison. Je ne savais pas où rentrer avec les enfants. Quand je sortais de la maison pour aller à la chambre de prière, je n'avais rien. Les enfants, très tôt le matin, viennent s'asseoir, puis tous leurs yeux là sur moi. Ils attendent que je leur donne un peu quelque chose, soit 100 francs pour manger un peu, rien. Et mon frère d'ici avait demandé, elle m'avait donné un sujet de prière. Et le Seigneur exauçait cette prière-là. Seigneur, donne à manger aux enfants. Et quand j'allais à la prière, à mon retour, parce que je revenais chaque fois à 17h, matin 9h, je revenais à 17h. Les enfants me gardaient à manger. Oui, continue. Et comme ça, continue. On nous avait chassés de la maison et nous sommes allés habiter chez un frère. Et là, j'ai constaté que c'était trop. Et mes parents me disaient, toi tu dis tu es enfant de Dieu là. Pourquoi ta vie, tu es malheureuse comme ça? Où est ton Dieu là? Tu dis tu vas à l'église, tu pries que Jésus délivre et puis tu es malheureuse comme ça. Ça me faisait mal, mais je leur disais que Dieu fait toutes choses en son temps. Amen. Et un jour, je m'étais mise à... Chaque fois, je méditais. Et je suis arrivé le passage où Jésus a dit, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu ? » Je sentais comme si Jésus m'avait abandonné, frère. Dieu me dit, quand les enfants de Dieu ont des soucis, ils promettent les regards inquiets. Ils cherchent ceux qui ont l'argent pour les aider. Ils ne tournent pas leur regard vers Jésus qui a la puissance de les délivrer. Que toi, ils ont mis un esprit de pauvreté en toi. C'est ce que Dieu m'a dit. Et depuis ce jour, j'ai commencé à combattre ce démon de pauvreté-là. En marchant, je prie. Matin, quand je me lève, j'avais déjà maintenant le sujet. Parce que je ne savais pas comment prier. Seigneur, oh Dieu, fais ceci. Non. Maintenant, j'étais orienté. Je savais comment orienter mon épée pour combattre ce démon de pauvreté-là. Alléluia. Et un jour, nous étions en enseignement, au week-end d'enseignement, à William Civil. En ce temps, on suivait les enseignements à William Civil. Le pasteur avait enseigné samedi. Nous sommes repartis dimanche. À la fin, il dit, levez-vous, demandez tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. J'ai dit, je me suis levé. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié pour que tu me délivres. Je ne vois pas de résultats. Peut-être que je ne suis pas né pour être béni sur la terre. Moi, je me suis dit ça. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Seigneur, permets que je puisse t'aimer encore. Encore davantage. Et que quand je vais mourir, que j'ai une bonne place au ciel. À la même seconde, 2 anges sont descendus. Un à ma droite, l'autre à ma gauche. Je n'ai pas vu leur visage. Ils étaient de grands détails. J'ai vu seulement leurs bras. La peau était très blanche, toute blanche.
C'est ce que j'ai vu. Et puis j'ai vu la treillis. Ils étaient en plein nu. Et ils ont pris comme une lame, ils ont déchiré. J'ai senti la douleur. Ils ont déchiré ma poitrine comme une lame. Un homme de 90 ans, sorti de mon corps. Sorti de mon corps. Sa taille était comme ça. Sa largeur était comme ça. Et les anges ont pris. Ils l'ont pris. Ils ont commencé à le chicoter pour partir. Il était nu. He was naked. Acclamation. Clappings. Et le lendemain, tu avais dit qu'il était nu. Il était nu, chauve. You said he was naked. Chauve, nu, un vieillard. En tout cas, il atteignait 80-90 comme ça. Chauve, nu, un vieillard, vilain. Et ils l'ont pris. Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. En ce temps, j'habitais chez une maman, que j'étais comme une servante chez elle, mais elle ne me payait même pas. Je suais sa maison, je lavais ses habits, je l'accompagnais dans ses activités. 5 francs, même 5 000, elle ne me donnait pas. Et c'est le lendemain qu'une soeur m'avait offert un parfum de 1500. Quand ce jour-là, je devais l'accompagner, mais Dieu s'est arrangé de manière qu'un autre frère vienne l'accompagner dans ses chantiers. Et j'étais là. Une voix me dit, va prendre les parfums qu'on t'a offert là. Tu vas donner à tes enfants pour vendre. À Cocody Mermoz. Une voix me dit, à Cocody ici là, qui va payer parfum avec dans une bouteille de pénicilline? Qui va payer ça? J'ai dit, les enfants, envoyez bouteille là. On a lavé les bouteilles, on a mis les parfums. J'ai prié avec les enfants, ils sont partis. Quand ils partaient, moi, je priais. Le même jour, parfum de 1500. Le même jour, ils ont vendu à 3000. C'était une petite partie de 1500 là. Le lendemain, 6000. Troisième jour, moi-même, je suis sorti avec eux. 16500. En moins de un mois, presque 200 000 francs dans la mise. C'est pas fini. C'est pas fini. Et les années qui suivaient, bénéfice 900 000, 800 000. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Mais on ne lui demande rien. Don't ask her anything. Ne lui dis pas que Dieu m'a parlé. Don't tell her God has spoken to me. C'est toi qui peux m'aider. That you are the one who could help me. Il faut quand même que les gens rendent témoignage librement. And let people give testimony. Acclamation à Jésus-Christ. Clap into Jesus Christ. Ça, ce n'est pas la théorie. This is not theory. Dieu a agi, nous avons vu. God acted and you saw it. Vous voyez comment elle marche. You see how she walks. Ça doit arriver. It must happen to you. Ça doit arriver. It must happen to you. C'est une sœur de la même communauté que toi. It is a sister from the same community with you. Pour elle. For her. Dieu a fait descendre deux anges. Pas God, dans le sommeil, on priait à la fin. You are not sleeping. You are praying at the end. Two angels came down from God. Même si tu as signé une alliance avec le doute, even you sign a covenant with doubt, brise cette alliance, break that covenant, tu seras béni. You'll be blessed. La révélation que Dieu nous a donnée. The revelation that God gave us. S'il y a un péché, if there is a sin, qui te fait tomber. Tu ne peux pas vaincre l'esprit qui domine sur toi. On appelle l'homme fort, on appelle principauté, c'est la même chose. Il ne peut pas être renversé tant que tu commets ce péché-là. If there is sin that makes you fall, you cannot overcome the principality that rules over you. That is called your strong man. You cannot overcome it. Donc la délivrance commence. So deliverance starts quand tu décides. When you decide. Que ça doit s'arrêter. That it must stop. Quand tu décides même. When you even decide. Ils tombent. They even fall. Parce qu'il n'y a que ça qui les soutient. Because they are supported by that. Lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 6.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Ce verset nous révèle This verse reveals us que notre lutte n'est pas contre les êtres humains. That our fight is not against human beings. Les êtres humains sont contrôlés par les démons. Human beings are controlled by demons. Ce sont les démons qui excitent les gens contre toi. There are demons that excite people against you. Et il y a des armes appropriées pour vaincre. And you have appropriate weapons to overcome. Ce sont des armes spirituelles. These are spiritual arms. Avec ces armes-là, with those arms, on peut renverser les auteurs. You can overthrow hardness. On peut démolir les forteresses. You can demolish strongholds. Les forteresses sont des endroits où l'ennemi part se cacher quand le combat devient rude. Strongholds are places where the enemy goes to hide itself when the battle becomes fierce. Il y a certains péchés qui sont des forteresses. There are some sins that are strongholds. Quand l'ennemi veut déjà perdre la bataille. When the enemy is about to lose the battle. Quand tu combats. When you fight. Quand l'ennemi voit que tu veux déjà gagner. When the enemy sees that you want to win. Il va se cacher dans le péché. Que tu n'as jamais abandonné. The sin that you have never forgiven. Quand il se cache là, il devient fort. When he hides there, he becomes strong. C'est pour cette raison que quand tu as des péchés comme la haine, this is the reason why you have sin like hatred, la colère, anger, l'immoralité, immorality, sexuelle, social immorality, la convoitise, il y a une convoitise lust, démoniaque. There's a demonic lust. Un jeune homme m'a dit que il convoitait. He used to lust. Il dit que parfois il voulait bondir sur sa sœur. Sometimes he feel like jumping over his sister. Quand sa sœur sèche les habits, elle prend ses cilibes et pose sur son nez. When a sister put a cloth on the ring, he go and take a pant and put it on his nose. C'est démoniaque. This is demonic. Elle dit, tu ne peux pas te l'expliquer toi-même. You can never explain it to yourself. C'est une forteresse. It is a stronghold. C'est ça qu'on appelle aussi une idole. This is also called an idol. Parce que tu n'as même pas la volonté de dire non quand ce péché se présente. Because you don't have the will to say no when that sin comes to you. Quand on cite les péchés, tu dis amen. On cite l'autre, tu dis amen. Quand on cite celui-là, tu dis. When you say sin, you say amen. When you say amen. When you call that sin, you say. C'est une forteresse. It's a stronghold. Si la guerre est chaude. If the war is fierce. C'est là où tous tes ennemis vont aller se cacher. Is it there that all the enemies go and hide themselves? Nous renversons les raisonnements. We overthrow reasonings. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. 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 Il y a les princes de ce monde de ténèbres.
You are the prince of this world of darkness. Il y a les dominations. You have domination. Il y a les autorités. You have authorities. Il y a les méchants esprits dans les lieux célestes. You have a wicked spirit in the heavenly place. Et la liste n'est même pas finie. And the list is not even exhausted. Il y a des esprits dans les eaux. There are spirits in waters. Il y a des esprits dans les déserts. There are spirits in the desert. Il y a des esprits dans les montagnes. There are spirits in mountains. Il y a des esprits dans les collines. There are spirits in hills. Certains grands arbres. Some big trees. Sont des repères de grands démons. Are the places of big demons. Il y a des esprits dans les abîmes. There are spirits in the abyss. Il y a des esprits dans le séjour des morts. There are spirits in Hades. Ça, il y a des princes dans tous ces domaines-là. There are princes in all these domains. Les princes parce que c'est leur chef. Princes because it is their chief. C'est-à-dire il a une bande de démons. That means he has a band of demons. Quand Satan s'est rebellé. When Satan rebelled. La Bible dit qu'il y a une multitude de démons qui ont abandonné leur demeure. The Bible said that there was a multitude of demons that are abandoned their places. Ils n'étaient pas des démons, ils étaient d'abord des anges. Une multitude d'anges qui ont abandonné leur demeure. They were angels first, a multitude of demons that abandoned their places. Et Dieu les a enchaînés. And God chained them. Dans les ténèbres. In darkness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Donc, so, quand les prières sont violentes, when you have fervent prayers, ils sont renvoyés dans les abîmes. They are sent back to abyss. Quand il y a la violence, l'immoralité, la musique mondaine, les meurtres, le vol, ils remontent parce que c'est leur royaume qui est exalté. Ils sortent des abîmes. When there is violence, immorality, anger, immoral things and worldly music, they come back because their kingdom is being exalted. Quand il y a des louanges, des louanges, des louanges, des louanges, des proclamations, des prières, ils fuient, ils se retirent. When there are praises, 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 proclamations, they withdraw themselves. Quand ils se retirent, les gens sont soulagés. When they withdraw themselves, people feel at rest. Certaines pulsions démoniaques. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Notre lutte, our fight, est contre les méchants esprits dans les lieux célestes. It's against wicked spirits in the celestial place. Les méchants esprits dans les lieux célestes. Wicked spirits in the heavenly places. Les esprits des morts dans le séjour des morts. The spirit of death in Hades. Il y a au-dessus de nous. There are over us une armée, an army de démons, of demons, dont le but est que tu ne reçoives aucune parole de Dieu, aucune révélation. Whose purpose is for you to receive no revelation, no word. C'est ça que l'apôtre appelle les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. This is what the apostles call it, a highness that rises against the knowledge of God. Ils peuvent donner de fausses visions. They can give false visions. Ils peuvent produire des influences. They can produce influence. Mais quand il y a le discernement, but when you have discernment, leurs œuvres sont exposées. Their work is exposed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Dans ce programme, in this program, la guerre contre, the fight against, les infirmités caractérielles et réelles. Like infirmity, that's from character. Ne te réjouis pas. Mon problème, c'est l'orgueil. Dans ma famille, tout le monde est orgueilleux. Vraiment, c'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous. Don't rejoice. Don't rejoice. My problem is pride. It's a problem of the family. It's a problem for us. It's a problem for us. La Bible dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. The Bible says they put their glory in what must be a shame for them. Ils se vantent.
They boast. Ils boivent beaucoup. They drink a lot. Que je peux boire 3 casiers. Dans notre famille, c'est comme ça. I can drink 2 cases of bottles. In our family, this is how it happens. Même si tu ne bois plus. Even you don't drink anymore. Si tu apprécies. If you appreciate. Tu es sous l'autorité de ces démons. You are under the authority of that demon. Parce que non seulement tu le fais, mais tu encourages les autres. But not only you do it, but you also encourage others. Et tu dis que tu as abandonné, mais tu encourages les autres. You say that you have abandoned, but you encourage others. Les parents qui ont les enfants. Parents who have children. Il y a des parents quand les enfants sont violents, ils blessent les autres. Ils sont insensibles, ça ne leur dit rien. That some parents, when the children are violent, when they hurt others, they feel untouched. It doesn't mean anything to them. Dans l'église, in the church, il y a des familles qui éduquent les enfants. Ils éduquent les enfants. There are some families that educate their children. Ils enseignent l'obéissance, la soumission, l'amour. They teach them obedience, submission, love. Donc, quand ils se retrouvent avec les autres enfants, so when they meet with other children, ils sont réglés. They are sont well set disciplinés, up. Disciplinés. Disciplined. Mais toi, but you, tu aimes tes enfants. You love your children. Charnellement. Carnally. Ils volent, tu dis, ce n'est pas grave. Ils mentent, ce n'est pas grave. Ils commencent à commettre la fornication, tu dis, ce n'est pas grave. The lie said is not a problem. They start stealing, committing immorality. He said it's not a problem. Quand ils sont avec les enfants des autres frères qui ont enseigné à se discipliner, ils les blessent, ils les torturent. When they find a son with other children who have been disciplined, they hurt them, they torture them. Dieu va les maudire. God, you curse them. Il faut que tu éduques tes enfants. You have to educate your children. De sorte que ils sont pacifiques partout où ils vont, ils sont une bénédiction pour toutes les familles. So that they are peaceful everywhere. Everywhere they go, they are a blessing for their friends. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Si tu as des enfants qui volent, ne les amène pas chez quelqu'un. If you have children who still don't send them somewhere to solliciter to request hébergement chez quelqu'un d'autre, c'est être méchant. To request a lodging from someone else is being wicked. Si tu as discerné que ton enfant est un esprit, if you have discerned that your child is a spirit. Tu l'amènes, on va travailler pour sa délivrance. Dès que vous finissez, vous rentrez. You bring it, you wait for his deliverance. As soon as you finish, you go back. Ne l'envoie pas au village. N'envoie pas ton frère à ta sœur. C'est un esprit. Don't send him somewhere. Don't send to a village. Bring it to your sister or your brother. C'est un virus. It is a spirit. It is a virus. Si tu envoies comme un paquet à quelqu'un, tu détruis cette personne. If you send him as a package to someone, you are destroying. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Les forteresses doivent être démolies. Strongholds must be demolished. Frère, que personne ne vous trompe. Brother, should no one deceive you? L'apôtre Paul dit, au-dessus de nos têtes là, il y a les princes. Apostle Paul said, principauté, c'est quand ça occupe un territoire. Over us, there are princes. Principality, it is when it occupies a territory. Quand un prince a un territoire déterminé, un petit territoire, c'est une principauté. Donc il y a un prince et plus son armée de démons. When a prince has a small territory, is a principality. That means that he has a territory with his army. The small demons, an army of demons. Un esprit qui te contrôle avec une armée de démons, c'est une principauté personnelle. A spirit that controls you with an army of demons is a principality. Jésus dit dans Luc 11 que s'il n'est pas lié
Tu ne peux rien deviner. On ne peut rien faire avec toi. Jesus said in the book of Luke that if it is not bound, you cannot do anything for you. S'il est lié, if it is bound, là tu peux aller à la prière. Then you can go to prayer. On peut te bâtir même. You can even beat you up. Tant qu'il est là, until he is there, tout ce qu'on te donne, il arrache. All that you give to you, he takes it back. Et il empêche même. And even prevent it. Tu ne peux pas connaître de croissance spirituelle tant que tu es sous le joug des principautés. Il faut que ce soit clair. You could not experience spiritual growth until you remain under the domination of a principality. Ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. It's not a joke. Fais un sondage. Make a census. Va dans n'importe quelle dénomination. Demande. Quels sont les gens qui mangent en songe? Les gens qui ont les couches de nuit avec les esprits. Tu vas réaliser you realize that que les croyants ont des problèmes. That believers have problems. Et ils disent la vérité. And they tell the truth. Quand ils disent qu'ils ont cru, ils ont cru. When they say they believed indeed. Ils ont cru que Jésus est venu mourir pour nous. They believe that Jesus came to die for them. Certains n'ont pas fait la vraie repentance. Some did not go about genuine repentance. Il y en a qui ont fait, qui sont retombés. Some did and they fell back. Il y a la vie quand le ministère pastoral est dynamique. There's a life when there's a dynamic pastoral ministry. Tu dois lutter jusqu'à ta liberté totale. You have to fight until your total freedom. Lis pour nous Luc. Read for us Luc. Chapitre 1. Chapter 1. 72, 73 à 75. From 73 to 75. Écoutez. Listen. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Donc, dans le plan de Dieu, so in the plan of God, un enfant de Dieu doit être délivré avant de commencer le service. A child of God must be delivered before starting serving God. Dieu ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui a encore tous les liens se mette à son service. God did not want anyone who is bound everywhere to start serving him. Après que nous serions délivrés de nos ennemis. After that, you will be delivered from our enemies. Nous puissions le servir, nous puissions marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. We could serve him and walk in holiness all our day life. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Donc tu as 2 minutes. So you have 2 minutes. Pour identifier. To identify. Pour identifier le péché. To identify the sin. Qui doit partir ce soir pour toujours. That must go to this evening forever. Son démon va s'enfuir tout seul. His demons will run away alone. 2 minutes. 2 minutes. Tu dis, you say, c'est assez, c'est trop, ça suffit. It is enough. I'm tired. It is enough. Enough. Ce n'est pas une grosse affaire. Ce n'est pas quelque chose qui demande les muscles. It's not a big matter. It's not something that requires muscles. C'est la détermination. It is determination. Tu dis, ça suffit. You said, it is enough. Il faut que je commence mon service. Have to start my service. Tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de doute. You are a child of God, there's no doubt about Mais it. Mais Dieu veut que tu sois délivré. But God wants you to be delivered. Pour bien servir. To sell well. Il ne faut pas confondre les choses. Do not confuse things. Les enfants d'Israël. The children of Israel. Ils sont là. Were there. Mais Goliath a barré leur route.
But God blocked the way. 40 jours. 40 days. Jusqu'à ce que David arrive. Until David came. Les choses ont changé. Things changed. Qu'est-ce qui fait la différence? What makes the difference? Ils sont tous des enfants d'Israël. They are children of Israel. Yeah, mais un. But there's one. A la foi en Dieu. Who has faith in God. Et a un esprit fidèle. And has a faithful spirit. Il a dit à Goliath, je veux couper ta tête aujourd'hui. He told Goliath, I will cut your head today. Saül était roi. Saül was king. Dieu l'avait béni. God blessed him. Dieu lui a donné un bon cœur. God gave him a good heart. Un nouveau cœur. A new heart. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. God filled him with the Holy Spirit. Dieu lui a dit, va maintenant. God told him, go now. Si tout ce que tu vas voir faire, tout ce que tu verras faire, fais-le Dieu avec toi. All that you see like doing it, do it. God is with you. Après, il est tombé dans la jalousie. After that, he fell into jealousy. Il est tombé dans la désobéissance. He fell into disobedience. Dieu lui dit, va exterminer les Amalécites. Il va, il tue quelques-uns et garde les autres. God said, go and kill the Amalekites. He went and killed some and leave some. Un mauvais esprit l'a possédé. A bad spirit possessed him. Il est devenu fou. He became mad. De temps en temps, il prend sometimes, la lance pour tuer les gens. He takes his arrow to kill men. Pourquoi un roi qui était rempli du Saint-Esprit maintenant a un mauvais esprit que Dieu laisse entrer dans sa vie? Why a king who had a good heart have now a bad spirit that God leave that spirit enter him? Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Maintenant, si tu as fini d'identifier, now if you have finished identifying, on va se tenir debout. You stand up. Tu parles à ton père. Speak to your father. L'apôtre Jean a dit. Apostle John said. Petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Small children, run away from idolatry. Et l'apôtre Paul a dit. And Apostle Paul said. Il n'y a aucune tentation qui peut être au-delà de nos forces. There are no temptation that is beyond our strength. Que Dieu ne le permettra jamais. And God will never allow it. Mais qu'avec la tentation, but with temptation, il trouvera l'issue pour en sortir. We find a way out. Fuis l'idolâtrie. To run away from idolatry. L'idolâtrie ouvre les portes. Idolatry opens door. L'apôtre Paul dit, nous pouvons vous délivrer de tous les esprits. Apostle Paul said, "We can deliver from all spirits." Nous pouvons punir toute désobéissance parmi vous. You can punish all disobedience among you. Mais il faut que votre obéissance soit complète. But you need that your obedience becomes complete. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Parle à Dieu. Speak to God. Si tu as honte de parler de lui, if you are ashamed of speaking about him, c'est une idole. It is an idol. Si tu négliges son œuvre, if you neglect his work, tu fais sans passion, sans zèle. You do without passion and zeal. Il faut qu'on t'encourage, on t'exhorte, parfois on te félicite beaucoup et tu bouges un peu. You need to be encouraged, congratulated. Sometimes you congratulate and then you move. Si c'est les pensées immorales, if it is about immoral thoughts, dis au Seigneur, c'est fini. Tell Lord, no, it is finished. C'est fini. It is finished. Dieu va faire descendre des anges ici. God will make angels
come down here. Comme il a fait pour Antoinette. C'est notre sœur. She's our sister. Elle a dit à Dieu. She told God. J'ai déjà prié. I've prayed already. Pour la bénédiction, ça ne vient pas. What is the blessing? It doesn't come. Peut-être. Maybe. Je ne suis pas né pour être riche, pour être béni. I'm not born to be rich, to be blessed. Mais donne-moi une chose. But give me one thing. Permets que si je meurs. Allow me so that if I die. Que j'aille au ciel directement. And you go to heaven straight away. Ça veut dire qu'elle a renoncé à tout. It means that she renounced. Quand tu analyses sa prière. When you analyze a prayer. Elle a renoncé à tout. She renounced all. Elle a dit à Dieu. She told God. J'accepte. I accept. De vivre sans richesse. Mais je vais aller au ciel. To live without riches, but I want to go to heaven. Dieu a dit celle-là. God says that one. Elle aura le ciel. She will have heaven. Et elle aura les richesses. But she will have riches. C'est comme ça que Dieu décide. This is how God decides. Elle aura le ciel. She will have heaven. Elle aura les richesses. She will have riches. Vous voyez? Can you see? Bénéfice 900 000. Bénéfice 900 foods. Elle m'a dit, là où tu me vois, je suis grossiste. Mes deux filles sont des grossistes. She told me, where you see me, I'm a wholesaler. My two sons are wholesalers. Ça doit arriver. It must happen to Ça you. Ça doit m'arriver. It must happen to me. Notre Dieu n'a pas changé. Our God has not changed. Lèvons nos deux mains. Chacun lève ses mains. Let us raise our two hands. Each one should raise his hand. Parle-lui. Speak to him. Dis, oh Dieu de compassion. Say, oh God of compassion. Oh Dieu de miséricorde. Oh God of mercy. Oh Dieu de toute bonté. Oh God of all kindness. Relève ma tête. So raise up my head. Éloigne-moi de l'opprobre. Take shame from me. Éloigne-moi des conséquences de mes péchés. Take the consequences of my sin away from me. Tout péché après la conversion. All sins after conversion. Dieu Père, c'est oh Father, délivre-moi des conséquences. Deliver from the consequences de tout péché, of all sins que j'ai pratiqué après ma conversion. That I practice after my conversion. Continue à parler au Seigneur. Continue to speak to the Lord. Oh ragabaga zorbaga. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Peut-être qu'il y a parmi nous there may be among us certaines personnes qui doivent donner leur vie à Jésus pour la première fois. Some people who have to give their life to Jesus for the first time. Il faut que ces personnes lèvent la main. Such people must raise their hands. Qui veut donner sa vie à Jésus pour la première fois? Who want to give his out to Jesus for the first time? Lève la main. Raise your hand. Oui, venez ici. Yes, come here. Parce que si on continue la prière sans vous, because if we continue to pray without you, venez devant, s'il vous plaît. Come front here, please. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant. If you want to give your life to Jesus, come front. Rapidement. Quickly. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi et viens. You want to give your life to Jesus, stand up and come. Si tu vis dans le péché, if you live into sin, tu ne dois
t'attendre à aucun miracle. Don't expect any miracle. Lève-toi et viens. Stand up and come. Tu as vu les enfants de Dieu eux-mêmes. Ils arrangent leur vie pour que Dieu les exauce. You have seen the children of God yourself. They make their life fine for God to answer their prayers. Donc ce n'est pas un chantage qu'on te fait. So it's not an enchantment that you are doing. Ce n'est pas que blackmail. Jésus là-bas, avant qu'on ne prie pour toi, on te dit d'abord de donner la vie à Jésus. It's not like in the church, before praying for you, they ask you to give your life to Jesus. Dieu a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. God says in 2 Timothy chapter 2 verse 19. Il dit le solide fondement posé par Dieu reste debout. The solid foundation laid by God remains still. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. This word that are considered as the seal. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. The Lord knows all those that belong to him. Quiconque invoque le nom du Seigneur, he have a cause of the Lord, qui s'éloigne de l'iniquité, run away from iniquity. Si tu veux prier, if you want to pray, si tu veux invoquer Jésus, if you want to call on Jesus, éloigne-toi de ton péché. Run away from sin. Éloigne-toi de ton péché. Run away from sins. Qui d'autre? Who else? Tu veux invoquer Jésus-Christ. You want to call Jesus. Éloigne-toi de ton péché. Run away from your sin. Quiconque whoever veut invoquer le nom de Jésus. Want to call the name of Jesus. Il s'éloigne du péché. Should run away from sin. Il s'éloigne du péché. Should run away from sin. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un rétrograde. If you are a backslider. Reviens. Come back. Tu étais avec Jésus. You were with Jesus. Tu as perdu. You lost. Tu es tombé. You fell. Tu es misérable. You are miserable. Les démons se moquent de toi. Demons mocked at you. Ils organisent une fête. They even organize a feast. Parce que tu es tombé. Because you fell. Reviens, reviens. Come back, come back. Reviens, reviens. Come back, come back. Reviens dans la maison. Come back to the house. Que l'enfant perdu revienne. Lost children come back. Que le rebelle revienne. May the rebel come back. Que le rebelle revienne. May the rebel come back. Que le rebelle revienne. May the rebel come back. Que le rebelle revienne. May the rebel come back. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous jugeons tout esprit. You judge any spirit. Qui veut retenir quelqu'un captif. That want to hold someone in captivity. Nous libérons tout âme d'homme. You release the soul of any man. Vivant sous l'emprise du doute. Living under the. Nous libérons tout âme d'homme. Vivant sous l'emprise de la religion. You release any man living under the authority of religion. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Qui d'autre? Who else? Oui, Jésus vous appelle. Yes, Jesus is calling you. Jésus vous appelle. Jesus is calling you. Il a dit dans sa parole. He said in the word. Je suis à la porte et je frappe. I'm at the door knocking. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. If somebody hear my voice and opens, I enter. Donc il se tient là, il se tient là. Then he's there, he's there. Et il frappe. And he knocks. Il frappe. And he knocks. Et tu demandes, c'est qui? And he asks, who are you? Il dit, c'est le Seigneur Jésus. Say, it is the Lord Jesus. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Now, what are you doing? Tu ouvres. You open. Ou tu laisses la porte fermée. Or you remain the door closed. Ton avenir dépend de ce que tu feras de Jésus. Your future will depend on what you do with Jesus. Si tu dis non à Jésus. If you say no to Jesus, ça te conduit juste dans le lac de feu. It leads you until the lake of fire. Le châtiment éternel. In the eternal chastisement. La Bible dit que et la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux et ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. The Bible says the death and Hades will give back the death that are in them
and give account into the lake of fire. Lève-toi et viens. Stand up and come. Je vais arrêter. I will stop. Qu'est-ce que tu gagnes? What do you win? En restant assis sur ton péché. By remaining with your sin. Qu'est-ce que tu gagnes? What do you win? En restant assis sur ta masturbation. Si on te demande, tu refuses Jésus, pourquoi? Est-ce que tu peux dire la raison? If he asks you, why are you refusing Jesus? Can you give the reason? Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Je vais arrêter. I will stop. Acclamation à Jésus-Christ. Clapping to Jesus Christ. Vous êtes les élus. You have the elected ones. Vous êtes des élus. You have the elected ones. Vous êtes sauvés. You are saved. Levez vos mains. Raise up your hands. Confessez votre foi en Jésus-Christ. Confess your faith to Jesus Christ. Vous allez répéter après moi. You repeat after me. Dis Seigneur Jésus. The Lord Jesus. Me voici devant toi. Here I am in front of you. Et devant des témoins. And before people of our testimonies. Des enfants. Your children. Et devant des anges. And before angels. Je décide. I decide. De donner ma vie à Jésus. To give my life to Jesus. Personne ne me force. No one forces me. Je donne volontairement. I give it willingly. Je donne consciemment ma vie à Jésus. I give conscious my life to Jesus. Pardonne tous mes péchés. Forgive all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Forgive me all my sins. Lave-moi par le sang. Wash with the blood of Jesus. Le sang qui a coulé à la croix. By the blood that flowed on the cross. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in your book of life. Afin que quand tu vas revenir, so that when you come back, pour chercher les élus, to take the elected, que je sois parmi les élus, I should be among the elected ones. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ok, on va continuer la prière. Asseyez-vous. Donnez-le. Je continue de prier. Non, arrête-toi. Yes, stop there. Il faut vomir, c'est un démon. Il ne faut pas aller loin. Il va se calmer. Vomit is a demon. Don't go far. You become cool. Donc, maintenant. Now. On accélère la prière. You accelerate the prayer. Tenons-nous debout. Let's stand up. Tu vas demander au Seigneur de te renouveler et de te remplir du Saint-Esprit. We ask Lord to renew you and fill you up with the Holy Spirit. Non, j'ai dit allez la délivrer. C'est un démon, ce n'est pas la tour. I say go and deliver les gens de la délivrance. Viens la chercher. It's not cough. Call the people of deliverance to come and sit there. Faut avoir le discernement. You need to have discernment. Dis Seigneur, say Lord, renouvelle-moi, renew me, remplis-moi, fill me up, que ton onction soit sur moi, may your anointment be upon me. Tu dis à Jésus, je t'appartiens. Tell Jesus, I belong to you. Quand tu finis de renverser les idoles. When you finish overthrowing idols, la chose immédiate qu'il faut faire, c'est la consécration à Dieu.
The immediate things we do, it is consecration to God. Et la prière. And prayer. Pour l'onction, pour la plénitude. For anointment and fullness. Et enfin. Then I will at last. L'engagement à servir. The commitment to serve. La consécration, c'est la dernière étape. Consecration is the last stage. Dans le processus de consécration. In the process of consecration. Quand tu te consacres. When you consecrate yourself. Quand tu sors de là, c'est pour servir. When you come out of there, is to serve. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Donc, prions. So, let us pray. Demande la puissance, demande l'onction, demande le renouvellement, demande que Dieu ask for power. En tout cas, prie comme le Saint-Esprit. Ask for power. Ask for anointment. Pray as the Holy Spirit leads you. Dis, oh Seigneur. Say, oh Lord. J'ai besoin de ton onction. I need your anointment. J'ai besoin d'un renouvellement de l'homme intérieur. I need the renewal of inner being. Remplis-moi du Saint-Esprit. Fill me with the Holy Spirit. Ouvre-moi du Saint-Esprit. And aim it with the Holy Spirit. Continue à prier. Continue to pray. Oh Père, so, oh Father, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, que mes dons, may my gifts, et mes talents, and my talents, soient un, be anointed, que mes dons, may my talents, et mes talents, my talents, soient enflammés, be inflamed, may my gifts, my talents, soient enflammés, soient enflammés, soient enflammés, be set in fire, be set in fire. Continue à prier. Continue to pray. Demande une révolution. Ask for a revolution. 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 Dans l'être et dans le faire. In the being and the doing. Demande, demande, demande. Ask. Être et faire, être et faire. The being and the doing, the being and the doing. Oh Father, a revolution dans ce que tu veux que je sois, in what you want me to be, dans ce que tu veux que je fasse pour toi, in what you want me to do for you, dans mon être, in my being, et dans mon service, in my service. Je veux la flamme. I want fire. I want fire. Continue à prier. Continue to pray. Dis au Père. Say, oh Father. Ouvre mes paroles. Anoint my words. Ouvre mes pensées. Anoint my thoughts. Continue à prier. Continue to pray. Holy Kalamasebe, 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 Ora ka bagara 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 b
Lève ta main droite. Raise your right hand. Il y a ce que toi-même tu peux régler. Yeah, what you yourself you can settle. L'apôtre dit. The apostle says. Nos armes sont spirituelles. Our weapons are spiritual ones. Pour renverser toute hauteur. To overthrow all idleness. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. That rises against the knowing of God. Quand nous allons prier. When you pray. Prie de telle sorte que quand on va dire amen. Il n'y a aucun esprit au-dessus de ta tête. So that when you say amen, you have no spirit over your head. Il y a des démons, leur travail, c'est de planer pour qu'il n'y ait pas de révélation, pas de vision, rien. Ils planent, ils embrouillent. Quand tu veux te concentrer, ils font des bruits spirituels. Tu te lèves. So no one deceive you. Ils doivent tous tomber aujourd'hui. That's on spirit. Their work is to fly over you. They must all fall today. Le ciel au-dessus de toi. The heaven is upon you. Doit être ouvert. Must be open. Le ciel au-dessus de toi. The Lord is upon you. Doit être ouvert. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je lève la main. I raise my hand. Je comme accord avec mes frères. You become a voice to all my brethren. C'est tout auteur. To overthrow all idleness. Il s'élève. That raises up. Contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Against the knowing of God in my life. Tout auteur. All idleness. Toute principauté. All principalities. Toute armée de ténèbres. All armies of darkness. Qui s'est élevé au-dessus de moi. That want to raise over pour me. M'empêcher d'avoir une communion intime avec Dieu. To prevent me from having intimate communion. Pour m'empêcher de recevoir des révélations. To prevent me from receiving revelation. Pour m'empêcher de recevoir les visions qui viennent de Dieu lui-même. To prevent me from receiving vision coming from God. Je le renverse. I'm afraid. Je te renverse. I overthrow you. Je te renverse. I overthrow you. Toi, méchant esprit. You wicked spirit. Contre la révélation de Dieu. Against the revelation of God. Dans ma vie. Je te renverse. I overthrow you. I overthrow you. Continue à prier. Continue to pray. Dieu au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je me lève. I stand up. Viens comme encore avec mes frères. We want voice with my friend. Pour renverser toute principauté. To overthrow all principalities. Venant des eaux. Coming from waters. Je te renverse. I overthrow you. Continue à prier. Continue to pray. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je me lève. I stand up. Contre toute principauté. Against all principalities. Venant du séjour des morts. Coming from Hades. Venant du séjour des morts. Coming from Hades. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je te chasse. I cast you out. Je te renverse. I overthrow you. Continue à prier. Continue to pray. Jésus, toute principauté, any principality, venant des eaux, come from waters, I overthrow you. Continue to pray. Ore ga bagara 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 bag
Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je lève la main. I raise up my hand. Accord avec mes frères. With one voice with all my brethren. Against all principalities. Du séjour des morts. Coming from Hades. Séjour des morts. Coming from Hades. Séjour des morts. Hades. Séjour des morts. Coming from Hades. Continue à prier. Continue to pray. Dis je te renverse. So I overthrow you. Je renverse. I overthrow you. Je renverse. I overthrow you. Je te renverse. Say, I overthrow you. I overthrow you. I overthrow you. I overthrow you. Toute principauté. Any principality. Venant des eaux. Coming from waters. Venant du séjour des morts. Coming from Hades. Tu es renversé. You are overthrown. Je dois évoluer. I must progress. Je dois grandir dans la foi. I must grow in faith. Je dois grandir dans la foi. I must grow in faith. Je dois connaître Dieu. I must know God. Je dois servir Dieu. I must serve God. Je dois servir Dieu. I must serve God. Continue à prier. Continue to pray. Je lève ma main. Say, I raise up my hand. Contre toute principauté. Against any principality. Dans des montagnes, des montagnes, des montagnes. In mountains, mountains. Je te renverse. I overthrow you. Je te renverse. I overthrow you. Continue à prier. Continue to pray. Toute principauté. So you principality. Venant des lieux arides. Coming from desert place. Tu es renversé. You are overthrown. Je te chasse. I cast you out. Je te renvoie dans les déserts. I sent you in the desert. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Dieu, au nom de Jésus, si tu es le serpent, if you are the snake, si tu es un reptile, if you are a reptile, qui s'oppose, that opposes, au dessein de Dieu dans ma vie, to God's purposes in my life, je te foudroie, I destroy you, je te chasse, I cast out, serpent,
serpent, et tout autre reptile. Withdraw yourself. Partez. Go. Partez. Go. Au nom de Jésus Christ. Le nom de Jésus Christ. Continue à prier. Continue de prier. Begone. Au nom de Jésus Christ. Le nom de Jésus Christ. Va-t'en. Begone. Au nom de Jésus Christ. Le nom de Jésus Christ. Le nom de Jésus. Laisse ta main droite. Raise your right hand. Toi. C'est you. Homme fort de la famille. Obstacle of the family. Je te renverse. I will throw you. Je te renverse. I will throw you. Je te renverse. I will throw you. Je te condamne. I condemn you. Et je te renverse. And I will throw you. J'arrache des victimes. I take away victims. J'arrache des victimes. I take out your victims. J'arrache des victimes. I take out your victims. Je proclame. I proclaim. Ta ruine est ton échec. Ta ruine est ton échec. Your ruin, your failure. Your ruin, your failure. Ta ruine est ton échec. Ta ruine est ton échec. Your ruin, your failure. Your ruin, your failure. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, je lève la main. Say, I raise up my hand. Contre tout rassemblement d'hommes. Against any gathering of people. C'est-à-dire les êtres humains vivants. That are living human beings. Contre moi. Against me. Dis, je les frappe. De confusion. I strike them with confusion. Je divise leur langue. I divide their tongues. Je divise leur langue. I divide their tongues. Je proclame nul. I proclaim nul. Leur effort de nuire à ma vie. Their effort to harm me. Continue to pray. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Tu gardes le calme, tu écoutes le Saint-Esprit. Remain calm and listen to the Holy Spirit. Il peut te parler. He can speak to you. Il peut te montrer une vision. He can show you a vision. Il peut enlever une maladie. He can take out a sickness. Il peut décoller un fibrome. It can heal a pimple. Quand tu essaieras d'aller aux toilettes, il va tomber. When you go to toilet, you'll fall. Crois au miracle. Believe in miracles. Crois. Believe. Que Dieu est capable. That God is able. Crois qu'il t'aime. Believe that he loves you. Et qu'il veut ta délivrance. That he wants your deliverance.
Il peut aller même dans ton village pendant que nous sommes ici. You even go to your village while we are here. Détruire un sanctuaire. Destroy the sanctuary. Et tu seras libre. And you'll be free. Là où tu es là, les anges vont travailler. I remember you are sitting where you are. Angels can work. Il est le Dieu des miracles. He's the God of miracles. La sœur nous a dit qu'il est, il est venu, il a opéré son sein. Sister said that he came and operated a breast. Des objets. And remove objects. Ça c'est sœur qui se préparait. This was a cancer that was being prepared. Il est puissant. He's powerful. Il peut terrasser un marais de nuit. Terrasser, je dis bien terrasser, le foudroyer, tombe. You can knock down the spiritual husband. And I said, knock it out. Une sœur me disait que son mari de nuit luttait avec son mari. A sister told me that a spiritual husband used to fight with a husband. Dès qu'il essaie de fermer les yeux, il vient. Tu as pris ma femme, il lutte. As soon as he start closing his eyes, they come and said, "You have taken my wife," and they whistled. Si c'est ton genre, if it is the kind, Jésus le brise. Jesus, you break him. Et tu es libre. And you are free. C'est le moment où il peut, tu peux trouver grâce à ses yeux. It is the moment where you can find grace before him. Il libère cette promotion qui était bloquée. And he releases that promotion that was blocked. Parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Because you have found grace with him. Il peut t'ajouter. He can add. Years. Il peut te rajeunir. It can make you become younger. Donc pendant que tu es devant lui. So why you are before him? Contemple-le. Behold him. Contemple-le de telle sorte que behold tes so ennemis that soient jaloux et décident de te laisser tranquille, de s'en aller. That your enemies become jealous and they decide to leave you alone and go. Oh, Rakabakashara. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jesus of Nazareth. Tu as vaincu Satan à la croix. You overcame Satan at the cross. Tu as frayé le chemin. You opened the way. Tu as béni ton peuple. You bless your people. Tu as béni ton peuple. You bless your people. Tu les soutiens dans les combats. You help them in the fights. Qui a une vision à partager? Who has a vision to share? Oui, viens. Yes, come. On peut accepter deux, trois. You can accept one or three. Un micro rapidement. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Angoua Regina. On faisait ça le pasteur Tiadé. Quand on a arrivé, et tout à l'heure, quand papa a commencé à dire prions, et quand on a commencé à prier, avant qu'on ait prié,
J'ai saisi le témoignage de la maman où le Seigneur a opéré sa poitrine pour enlever un vieillard nu. Le Seigneur vient de m'opérer tout à l'heure ici. L'esprit de ma grand-mère en train de sortir une canne et puis elle partait là-bas. J'ai senti la douleur, j'ai souffert. Le Seigneur dit, reste tranquille. Aujourd'hui, c'est fini, elle va partir définitivement de ta vie parce qu'elle t'a vieilli. Elle t'a vieilli, puis je la voyais sortir comme ça. Après, elle a pris ce padre, puis là, il l'a mis. Je vais dire merci à Dieu. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que c'est un moment où Jésus peut venir t'opérer. À certains moments, when Jesus can come and operate you. De l'incarnation. Show yourself with incarnation. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait, on avait commandé aux reptiles de sortir. Et là, le Seigneur ouvrait mes yeux. Je voyais des serpents de tout genre, de tout type, qui étaient là comme ça, qui partaient, qui descendaient comme ça. Un peu comme s'ils suivaient l'eau ou partir. Et c'est tout ce que j'ai reçu. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Disons merci pour les délivrances qui ont déjà eu lieu dans l'invisible. Je voulais que vous voyiez ce qui se passe dans l'invisible déjà. Let's thank Lord for the deliverance that we have seen in vision. I want you to see how the Lord is doing. Quand nous prions, when you pray, Dieu accomplit des merveilles. God accomplishes marvelous things. Tu ne seras plus le même. You are no more going to be the same person. Ce n'est pas possible. It's not possible. Non. It's not a game. Tu vas le remarquer. You notice it. Et chaque jour. And every day. Un homme délivré, il y a une manière de grandir. A delivered man, there's a way of going up. Quelqu'un qui est poursuivi par les démons qui veut grandir, c'est difficile. Someone who's pursued by demon who want to grow up is difficult. Père, merci pour cette délivrance. Father, thank you for this deliverance. Que tout l'honneur te revienne. May all the honor. Merci Jésus-Christ. Thank you Jesus. Amen. Amen. Maintenant, tu vas lever la main. Now you are going to raise your hand. S'il y a un démon, if there is a demon, peut-être que tu es là pour la première fois. You might be here for the first time. Il y a des gens qui sont là depuis le début. There are some people who are here chaque since jour, the beginning. Ils enregistrent une victoire chaque jour, deux ou trois victoires. Every day they record a victory. Every day they record two or three victories. Peut-être que toi tu es venu comme ça, c'est ta seule fois. Maybe you have come like that. It is your first time. Quand tu vas partir là, on ne va plus se voir. So when you go, you won't see you again. Donc si tu dois être béni là. So if you have to be blessed. C'est maintenant que Dieu doit accomplir ça. It's now that God will accomplish it. Peut-être que tu es là tous les jours. Maybe you are here every day. Et tu sais qu'avec le lion de la tribu de Juda, c'est victoire, victoire chaque jour. And you know that with the lion of the tribe of Judah, it's a victory every day, every day. Pour certains, le démon sort. For some, the demon goes out. Il se tient à un mètre. He stands at 1 meter from you. Il attend le jour favorable. And waiting for a favorable day. Quand ça chauffe, when it is hot, il est loin. He goes far. C'est ce qui va arriver ce soir. Is what will happen tonight. Celui qui attendait à 2 mètres the va comprendre que c'est gâté. Si je m'en vais. The one who was waiting from 2 meters away from you, you know that there's no need to expect, and you go. The esprit est pur. C'est un pure spirit. Sort of a town. Out and be gone. Sort.
matin, sors le matin. Out and be gone. Oui, sors le matin. Yes, out and be gone. Garde le calme. Keep silence. Garde le calme. Keep silence. Sorry, Vatan. Out and be gone. Dis, tu ne te cacheras point. So you don't hide yourself. Dis la lumière vers toi. C'est the light towards you. Feu de Dieu. The fire of God. Même si tu es sous un rocher. Even you are under a rock. Le feu de Dieu. The fire of God. Même si tu es sous une montagne. Even you are under a mountain. Le feu de Dieu. The fire of God. Sors de la terre. Out and be gone. Esprit démoniaque. Demoniac spirit. Impure spirit. Méchant. Wicked spirit. Va-t'en. Be gone now. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis la volonté de Dieu. The will of God. C'est que ses enfants fassent du progrès. That his children should make progress. Et qu'ils aillent de progrès en progrès. Because you are from progress to progress, from progress to progress. Et nous proclamons. So you proclaim. Que nous irons de progrès en progrès, de progrès en progrès. That you go from progress to progress. Tu ne dois bloquer personne. You must stop anyone. Tu ne dois suivre personne. You must follow anyone. Tu ne dois te tenir sur le chemin de personne. Personne. No one. No one. No one. Personne. No one. No one. Va-t'en. Be gone. Oh, Rabaka Sharabaka. Be gone. Dis la volonté de Dieu. C'est the will of God. C'est le progrès. Dis progress. Le progrès. Progress. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Même si tu as été envoyé par un parent. Even you have been sent by a parent. Même si on t'a menacé que tu ne dois jamais quitter. Even you have been threatened that you must never leave. Soumets-toi au nom de Jésus. Submit yourself in the name of Jesus. And be gone. Thank you.
Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toute femme. That any woman. Qui a été envoûtée. Who has been bewitched. Par un homme qui voulait la charmer. By a man who wanted to have her. Qui a envoyé un démon dans sa vie. Who sent demons into her life. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Par la vertu de Jésus Christ. Through the virtue of Jesus Christ. À la croix du Calvaire. Died at the cross of Calvary. Esprit méchant. Wicked spirit. Va-t'en. Be gone. Ton travail est fini. Your work is finished. Gardez le calme. Stop that. Gardez le calme. Remain calm. Parce que le Seigneur est en train de travailler. Because the Lord is working. Et nous le suivons ensemble. And you follow it, you follow him together. Il ne peut pas laisser l'ennemi dans ta vie. You cannot leave the enemy in your life. C'est une promesse. It is a promise. Il va te délivrer de tous tes ennemis. He will deliver from all your enemies. Tous tes ennemis. All your enemies. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu es venu de Maïkari. If you have come from Maïkari. Que tu as possédé quelqu'un. Then you have possessed someone. Va-t'en vite. Be gone quickly. Si tu es venu de Maïkari, tu es venu de Maïkari. You have come from Maïkari. Tu as suivi quelqu'un. And you have followed someone. Va-t'en vite. Be gone quickly. Orega bagare 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 bagare
Satan, tu es vaincu. Seigneur, viens, on vainque. Jésus t'a vaincu à la croix. Viens, on vainque, viens avec nous au Calvaire. Jésus t'a vaincu à la croix. Viens, on vainque, viens avec nous à la croix. Viens, on vainque, viens avec nous. Jésus t'a vaincu à la croix du Calvaire. Viens, on vainque, viens avec nous au Calvaire. Il y a bien un spectacle. Il y a bien un spectacle. Il y a bien un spectacle. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Ne tourmente aucune âme. Satan. Satan. Avec toute ton armée. All your army. Toutes tes armées. All your armies. Les esprits des hommes. Spirit of men. Parmi les vivants. Among the living ones. Esprit des morts. Or the spirit of death. Dans le jour des morts. In the ages. Partez. Go. Dis Seigneur. Say Lord. Que tout esprit. That any spirit. Qui m'a suivi. That has followed me. Et dont j'ignore les origines. Then I ignore the origin. Frappe-le maintenant. Strike him now. Dis Père. Say Father. Que rien ne reste debout. Mais nothing remains up. Contre moi. Against me. Contre tes intérêts dans ma vie. Against your interests in my life. Que rien. That nothing. Ne reste debout contre moi. Ne remain up against me. Dans les abîmes. In the abyss. Dans le séjour des morts. In Hades. Que rien ne reste debout contre moi. That nothing should remain against dans me. Les montagnes et les rochers. In mountains and rocks. Dans les montagnes et les rochers. In mountains and rocks. Que rien ne reste debout contre moi. Then nothing should remain up against me. Dans les eaux. In waters. Dans les rivières, les fleurs. In the rivers. Les lacs. And lakes. Les lagunes. And lagoons. Marécages. In springs. Rien. Nothing. Rien. Nothing. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Reste concentré. Remain concentrated. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Divinité. Divinity. De mari de nuit. Our spiritual husband. Nous jugeons ton culte. We judge you. Avec les statuettes. Your statute. Avec toutes les personnes qui se couchaient avec le drap blanc. With all the people that sleep with the white bed sheets. Tu ne seras plus adoré. You are no more going to be worshipped. Tu n'es pas Dieu. You are not God. Et ces femmes sont libres. And those women are free. Nous proclamons. We proclaim. Que toutes les femmes sont libres. That all women are free. Nous proclamons. We proclaim. Que toutes les victimes sont libres. Now all your victims are free. Libre. Free. Libre. Free. Toutes tes victimes. All your victims. Sont libres. Are free. Sont libres. Are free. Dis nous proclamons. Say you proclaim. Que tu n'auras aucune femme parmi nous. Now you have no spouse among us. Maintenant, nous te chassons. Now we cast you away. Attends. Be gone. Va-t'en. 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 Be gone. Nous arrachons tes victimes. You snatch out your victims. Nous t'expulsons. Hey, we expulse you. Ils sont en train de... Dis, tu ne ramasses rien. Say, don't gather anything. Ne don't rien. Don't steal anything. Va-t'en.
Va-t'en que tu es venu. Be gone as you come. Prends ta pauvreté, prends tes maladies. Take your poverty, take your sicknesses. Prends ton opprobre. Take your shame. Et va-t'en, 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 va-t'en. And be gone, be gone. Ora kaba re kabara kere baka ora baka joro baka ora baka sere baka ora baka sere baka go baka rabaka ora baka sere baka go baka joro baka go baka jer baka ora baka joro baka go baka joro baka go baka jer baka ara baka joro baka go baka jer baka ara baka joro baka go baka jer baka go baka jer baka ara baka joro baka se kara baka se ora baka sere baka ora baka sere baka kare baraka se me kere baka se man Uriya bara kaba kere balta kere Uriya kere balta kere Uriya kere bakara kere Uriya bakara bakera kasabara Uriya bakara bara Garde local Remain calm Di toi mari de nuit Say you spiritual husband. Avec les bébés démoniaques que tu as laissés. Avec les demoniac babies that you left. Je les emballe. I emballe them. Cherche sur toi. I throw them upon you. Les bébés démoniaques. Les demoniac babies. Partez. Go. Quittez ma vie. Leave my life. Continue à prier. Continue à prier. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Arrête, arrête, arrête. Garde local. Keep silent. Garde local. Keep silent. Le Seigneur va l'exposer. The Lord will expose him. Les bébés que vous voyez dans les songes. Babies that you see in dreams. Ne sont pas là pour prophétiser que tu auras les enfants. Are not there to prophesize that we have children. Ce sont des petits démons qui sont même très jaloux. Qui quand ils collent sur toi, tu ne peux pas avoir les vrais enfants. The spiritual demons that in your life. That they are very jealous. That when they are there, you cannot have children. Il faut qu'ils partent. So they must go. Manifeste-toi, va-t'en. Manifeste yourself and go. Manifeste-toi, va-t'en. Show yourself and go. Seigneur travaille. The Lord is working. Ne pensez pas qu'il y a de pause. Don't think there is break. Même si c'est calme, le Seigneur travaille. Even it is calm, the Lord is working. Il poursuit tes ennemis. He pursues your enemies. Il poursuit tes ennemis. He pursues your enemies. Il les disperse. He disperses them. 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 Toi, démon qui a suivi. You demon who have followed. À cause du nom. Because of a name. Et tu es là. And you are still there. Tu poursuis la personne. You pursue the person à cause du nom qu'il porte. Because of a name that he bears. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en vite. Begin quickly. Avec tout
tous les malheurs que tu as apportés. The unhappiness avec that you have brought. Le rejet, le mépris. The rejection and despise. Va-t'en. Be gone. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Je me sépare de tous ceux qui ont porté le même nom que moi. I separate myself from all those who bear the same name with me. Parmi les vivants et parmi les morts. Among the living ones and the dead ones. Je me sépare. I separate myself from them. I separate myself from them. Si un démon t'a suivi, if a demon has followed you, parce que tu as vu la nudité de ton père ou de ta mère, because you saw the nakedness of your father or your mother, un démon t'a suivi, if a demon has followed you, qu'il parte, you should go, qu'il parte, you should go, va-t'en, be gone, va-t'en, be gone, va-t'en. Be gone! Va-t'en! Be gone! Si un démon t'a suivi, if a demon has followed you, parce que tu as vu la nudité de ton père, because you saw the nakedness of your father, de ta mère, or your mother, part! You should go! Va-t'en! Au nom de Jésus. Be gone in the name of Jesus! Si c'est la nudité de ta grand-mère ou ton grand-père, if it is the nakedness of your grandmother or your grandfather, si c'est pour ça que tu es là, if it is for that you are there, va-t'en, go. Va, va-t'en. Go, go, be gone. Sorry, va-t'en, sorry, va-t'en. Sorry, va-t'en. Out and go, out and go. Si tu es un démon, if you are a demon, qui s'est installé à la cause de l'inceste, who has stolen himself because of incest, because of incest. Va-t'en, va-t'en, sorry, va-t'en. Be gone, be gone, out and be gone. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je lève la main. I raise up my hand. D'un commun accord avec mes frères. With one voice with my brothers. Pour briser. To break. Tout lien d'envoûtement. And test or judgment. Casser toute prison. To break our prisons. Pour casser tout cercueil. To break our coffins. Pour casser toute bouteille. To break our bottles. Pour détruire. To destroy. Tout ce qui a servi d'outil pour l'envoûtement. To break all that has served as an instrument to a beast. I proclaim my freedom. Et celle de tous les membres de la famille. And the one of all the members of my family. Maintenant. Now. Prends ton cahier, insiste sur les 10 choses que ton père doit te donner. Then take your copy book. Si tu les as dans la tête. And insist on the 10 things that your father had to give you. If you have them in mind, remain concentrated. Et prie avec foi. Then pray with faith. Il va arriver que si. It happened that if. Si l'exaucement demande une guérison physique, il va le faire. If the answer
he calls for a physical healing, he will do it. Si l'exaucement rencontre un démon sur le chemin, il sera terrassé. If the answer meets a demon on the way, he will be overthrown. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus est bon. Jesus is good. Sois concentré. Be concentrated. While you are writing. Le Seigneur est en train de combattre pour nous. The Lord has asked to fight for us. Offrande d'acclamation. Clap offerings. Jésus Christ. Jesus Christ. Et demeurez en prière. Et remain in prayer. The Lord is working. Même si on t'a vendu, even if you have been sold, même si c'est un pacte, even if it is a pact, tout est brisé. Everything is broken. Et les visions vont sont en train de le confirmer. And vision are confirmed them. Dès qu'on finit la prière, as soon as you finish the prayer, Dieu libère des légions d'anges. God releases a legion of angels pour accomplir ce qu'on a obtenu. To accomplish what we have obtained. C'est comme ça qu'il travaille. This is how it works. Certains auront le résultat. So you see the reason why going out. So we have the results tomorrow morning. Si tu n'as pas de vision, ne cherche pas, ne sois pas découragé. If you have no vision, don't look for it. Don't be discouraged. Dieu, ce que Dieu révèle à un, what God has revealed to one is for all of us. Les choses cachées sont à l'éternel. Hidden things belong to the eternal. Les choses révélées appartiennent à l'homme pour qu'il enseigne ça à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Revealed things belong to man. To teach his children and to the children of his children. Et là où vous êtes assis, beaucoup ce soir ont subi le même type d'opération que la sœur a subi, mais ils n'ont pas vu. Where you are seated, many have gone through the same operation that Sister Antoinette experienced, but did not see it. Dieu pouvait te montrer. God could have shown it to you. Mais il a enlevé. But he removed it. Mais tu vas ressentir ça dans ton comportement. But you feel it in your behavior. Tu verras que toi qui voulais te donner la mort, tu vas commencer à aimer la vie. You see that you wanted to succeed yourself, you start loving life. Tu vas même regretter d'avoir méprisé les autres. You even regret of despising others. Tu ne seras plus le même. You no more be the same. Quand tu rentres, when you go home, tu dis Seigneur, you say Lord, les maladies incurables, incurable sicknesses, agis, act. Certaines de ces maladies sont des grands jugements de Dieu. Il faut demander à Dieu de retirer le jugement. Ask God to remove the judgment. Tu lui demandes d'être miséricordieux
compatissant, riche en bonté. Ask to be a God of mercy, of compassion and kindness. Et vous aurez le résultat.